Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nyasriban pour une autre vidéo hors du commun. Adressez cette vidéo à tous abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez cliquer là-dessus. Abonnez-vous tout simplement et cliquez sur la cloche l'activer. Et ne manquez surtout pas la prochaine vidéo. Mais avant de cette vidéo, nous allons découvrir des choses hors du commun. Et ce que nous allons découvrir, c'est que le démon de la séduction se trouve sur les réseaux sociaux et ça va se confirmer au travers de tout ce que nous allons même voir de nos propres yeux sur les réseaux sociaux. Nous allons nous rendre sur les réseaux sociaux au hasard. Vous allez voir, au hasard, nous allons tomber sur des choses ensemble qui vont vraiment nous confirmer qu'effectivement, la séduction est ici. Et nous, nous devons vraiment faire très attention à ne pas nous laisser séduire par les choses de ce monde. Aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit? On voit des femmes qui veulent montrer à tout le monde qu'elles sont belles, qu'elles ont un beau corps, elles font du fitness, elles s'habillent de façon sexy, elles montrent leur corps. Certaines personnes s'embrassent ici, d'autres s'embrassent de l'autre côté, d'autres sont en train de la convoiter. Tout le monde est là-bas et on se rend là-bas juste pour parler du sexe. Oh, ça, c'est mauvais, ce n'est pas normal. C'est pourquoi nous parlons des démons, du démon de la séduction des réseaux sociaux. Ce style, cette manière de s'habiller de façon sexy, bien évidemment, ça vient des démons. Et le diable est derrière cela. Et les réseaux sociaux qui ont été créés là, ce mouvement-là qui a été créé, au départ a été créé pour juste connecter les gens, permettre aux gens de s'amuser. Mais finalement, on a découvert que c'est plus utilisé, les réseaux sociaux sont plus utilisés par les démons que les hommes. Parce que les démons, travaillant en l'homme, amènent d'autres personnes à pécher sur les réseaux sociaux, même à faire de n'importe quoi. Les gens font toutes sortes de choses bizarres sur les réseaux sociaux. Parler de façon libre comme ça, c'est pas tellement chic. Je pense que vous montrer même les choses que vous allez voir, ça va vous permettre de voir ou de comprendre certaines choses. Suivez-nous. Allons au studio maintenant. Là, nous marchons dans le studio. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, cliquez sur la cloche de la TV. Et préparez-vous, parce que ça va être chaud. Un j'aime, en cliquant sur j'aime, ça nous ferait vraiment plaisir. Et ça donnera de la valeur à la vidéo. Et ça sera hors du commun. Soyez prêts, mes frères et sœurs. Nous sommes maintenant au studio. Ok. Ce que nous allons voir ici est hors du commun. Ce que nous allons voir est hors du commun. Regardez déjà ça. Waouh! Qu'est-ce qu'on voit? On voit des filles qui discutent. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez comment elles sont déjà habillées. Regardez. Ce sont les jeunes, en général, qui sont confrontés à de tels problèmes. Et là, regardez. Regardez comment le diable veut que nous nous habillions. Et regardez ça. Waouh! C'est assez étrange. Regardez comment les filles sont habillées. Elles sont toutes habillées en pantalon. Oh, de la parole de Dieu, on demande aux filles de ne pas s'habiller comme des hommes. Les règles de Dieu ne sont plus respectées. Les jeunes ne veulent plus écouter Dieu. On fait même ce qu'on veut. On expose les seins. On porte des vêtements plaqués. Tout ça sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime, c'est réel. Sur les réseaux sociaux, on poste pas mal de choses, comme des choses les plus simples. Ça, c'est un clavier. Ce sont des claviers d'ordinateur de différentes langues. Est-ce que ce n'est pas beau ça? C'est beau! C'est-à-dire qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour faire des choses intéressantes, intelligentes. Regardez encore ça. Ça, c'est une batterie. Une batterie hors du commun. Ça a l'air joli, hein? C'est un instrument de musique utilisé la plupart du temps dans le concert et autres. Mais regardez comment les femmes sont. Regardez les filles qui sont juste là au milieu. Regardez ça. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour vous? Est-ce que c'est ça? Ce que Dieu veut pour vous, vraiment? Est-ce que Dieu aimerait vraiment que vous
C'est possible que votre corps comme ça. Comme ça. Vraiment. Posez-vous de vraies questions, mes frères et sœurs. Posez-vous de vraies questions. Est-ce ce que Dieu veut pour vous? Non. Et les gens aiment ça. Ils se disent que c'est juste la fête. C'est juste la jeunesse. Et que si tu n'es pas dans ce genre de choses, tu es un vieux gars. Tu es une vieille go. Qui a dit ça? Voici des choses qui conduisent les gens en enfer. Les choses de ce monde. Cette manière s'habille en bikini, de façon sexy. Toutes ces histoires qu'on voit. Vous pouvez négliger ces choses, mais ces choses sont réelles. Et des témoins puissants en ont témoigné. Et même, regardez ici encore. Et même quand on regarde même la manière dont les animaux sont bien traités sur les réseaux sociaux, nous on est content. Regardez cet animal qui est là. Il y a de la bonne viande devant lui. Mais tant que son maître ne lui a pas demandé de toucher à la viande, il ne va même pas toucher à la viande. Même s'il a faim. Même si il a fait, il veut bruit. Il ne va pas toucher jusqu'à ce que son maître lui dise, lui donne l'autorisation de le faire. Mais nous, qu'est-ce que les humains font? Les humains désobéissent à Dieu et font ce qu'ils veulent. Les humains commencent à devenir pires que les animaux. Des garçons qui couchent avec les garçons, les filles qui couchent avec les filles, et on trouve ça normal. C'est pas du tout normal, mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez ça. La séduction, t'as des trucs, t'as des choses. Waouh! Regardez tout ça. Ça, ce sont les réseaux sociaux aujourd'hui. La manière dont le diable travaille. Et vous allez voir que la séduction dont nous sommes en train de vous parler, ce n'est vraiment pas de la blague. Regardez ici, on voit déjà un homme. Un homme qui voit une fille qui arrive. Et lui, déjà, il est content. Parce qu'il a vu une fille, déjà, il va voir une femme comme ça pour passer la soirée. Mais regardez ce qui va se passer. La fille va le regarder, elle va dire, oh, tu veux que je monte dans ta voiture? Ok, y a pas de souci. Laisse-moi te dire que moi-même, j'aime mieux. J'aime mieux. J'aime mieux. Attends, tu vas voir ça tout de suite. Regardez comment la caméra est fixée sur ses fesses. Regardez comment la caméra, surtout la caméra, est fixée sur ses fesses. Carrément fixée sur ses fesses. Vous allez voir, regardez bien. Regardez bien comment on présente la femme de nos jours. Et sur les réseaux sociaux, ça devient facile. Et c'est le diable qui est en train de faire ça. Regardez. Lui, il a vu la fille. Oh! Pour lui, il va avoir quelque chose à manger. Comme si le sexe, c'était un jeu. Ou de la nourriture. Regardez. Et elle est très belle, hein? Elle est vraiment belle. Elle a un corps. Vous voyez les filles qui sont jolies, là, avec un joli corps. Ce sont elles qui font ça la plupart du temps. Comme elles ont un joli corps, elles s'exposent sur les réseaux sociaux. Et ça, vraiment, c'est pas du tout très bien. C'est pas une bonne chose. Et quand on va plus loin, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des gens qui sont en train de danser. Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils voient pas? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez ça. Regardez comme les gens sont habillés de façon sexy. En train de même danser. Regardez. Ça danse n'importe comment. Regardez comment les gens sont habillés. Et ça, c'est la danse. On dit quoi? On se réjouit. Et c'est normal. Waouh. Dans tout ce que nous faisons, nous devons mettre Dieu devant. Et nous assurer que ce que nous sommes en train de faire, ça vient de Dieu. Et ce que vous allez vraiment voir ici, mes frères et sœurs, ça va vraiment vous étonner. Ça, vraiment, regardez déjà la position de ces gens qui sont là. On a l'impression que c'est une position qui nous rappelle un dieu indien ou encore un démon qui se trouve en Inde, qui est adoré par la religion indienne, et ce démon-là a plusieurs bras. Depuis quand Dieu a-t-il créé un homme avec plusieurs bras comme ça? Et regardez ce qui va se passer ici. Qu'est-ce que c'est? Tout ce que se trouve sur elle, comme les choses que vous voyez, toutes ces choses, ce sont des choses qui viennent des dieux étrangers. Quand on parle aux femmes comme ça, elles vont dire, oh, tu veux pas qu'on porte les bijoux. Mais regardez comme les gens dansent aujourd'hui. Les gens sont dansés comme des démons. C'est une adoration aux démons. Une adoration aux démons. D'où au diable qui a été fait. De façon simple, hein? Ça a l'air simple. Mais personne ne peut penser que
on puisse adorer le diable de la sorte. Voilà, des bras derrière, des bras derrière. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Regardez des bras derrière, comme ça qui sortent des bras. Un œil qui se ferme, elle ferme un œil à chaque fois. Tout ça, et des bras apparaissent encore. Et les gens pensent que c'est de la blague. Vous pensez que c'est de la blague, mes frères et sœurs? Vous allez voir ce que nous allons vous montrer. Il y a un Dieu qui se trouve là-bas, en Inde. Et ce Dieu-là, il a plusieurs bras. Là, nous jetons un coup d'œil pour faire des recherches là-dessus. Tout de suite, rien que pour vous. Ce Dieu-là a plusieurs bras comme ça. C'est un Dieu indien. Nous l'appelons que Shiva. Je pense qu'il s'appelle Shiva. Shiva. Vous devez faire des recherches, mes frères. C'est vous-même, vous devez faire des recherches. Vous faites des recherches. Pourquoi moi des gens avec plusieurs bras? Comment est-ce que ça s'écrit sur Shiva là? Shiva, voilà, c'est S-H-I-V-B-A. Oh, ah, c'est Dieu indien. Dieu, voilà, indien. Là, nous cherchons, nous faisons des recherches. Dieu indien. Voilà. Ok. Ça devient intéressant. Ça devient vraiment intéressant. Vous allez voir ça tout de suite. Bien. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui sont réelles ici. Et vous allez voir des choses. Et regardez comment les gens adorent le diable sans s'en rendre compte. Regardez ce que c'est le cas qui a le cas. Ça, c'est un dieu indien. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque qu'il a plusieurs bras. Plusieurs bras. Oui, plusieurs bras. Et pour adorer le dieu, ce dieu-là, les gens font des clips et ils dansent comme ayant plusieurs bras. C'est réel. Ces choses sont réelles. Vous pouvez dire que c'est de la blague, mais ce sont des démons qui sont en train d'être adorés par les humains ici. Et c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Sur les réseaux sociaux. Oui. Là, vous commencez à comprendre que vous devez vraiment faire des recherches. Vous devez vraiment faire des recherches. Et avoir l'information qu'il vous faut. Et c'est réel. Sinon, vous serez en train d'adorer des dieux étrangers, des démons. Pour rien. Pour rien. Et les humains adorent vraiment des démons. Waouh, c'est assez hallucinant ce qui se passe dans ce monde. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Mon Dieu. Cette personne est à l'ouest. Hein? Elle est vraiment à l'ouest. À l'ouest du monsieur. À l'ouest quoi. Ce n'est plus la même personne. Waouh. Et vous comprenez maintenant le danger. Là, vous commencez à comprendre le danger. Et quand on retourne là-bas, regardez à nouveau cette histoire. Regardez à nouveau cette histoire. Regardez ça. Regardez bien maintenant. Et vous allez comprendre comment les gens se positionnent pour pouvoir bien adorer et inciter toute personne à adorer. Et directement sur les réseaux sociaux, les gens adorent le diable comme ça. Facilement comme ça. Et tu vois, vous voyez, elles font les mains là comme ça. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble au serpent. C'est le geste du cobra. C'est comme si le cobra là était en train de ramper. Et le serpent est censé représenter aussi le diable. Ça, c'est très connu. Même les enfants savent ça. Regardez. Vous allez voir qu'à un moment donné, voilà, plusieurs bras vont apparaître. Voilà. Et elle va fermer une main. Un œil. Elle va fermer un œil plusieurs fois. Vous allez voir. Waouh, tout ce que un, voilà, vous avez vu ça, ça passe tellement vite. Et les choses sont exécutées très rapidement pour que vous ne puissiez même pas vous en rendre compte. Mais ce qui est sûr, faites attention à tous ces bijoux que vous voyez sur les mains. Vous voyez que c'est réel et que Dieu ne raconte pas des histoires, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Quand Dieu nous parle de sortir, de ne pas aimer le monde, ni les choses de ce monde, Dieu sait pourquoi il nous parle ainsi. Dieu sait que dans le monde, il y a beaucoup de choses inutiles. Il y a même des choses qui conduisent la plupart des gens en enfer. C'est pourquoi il nous demande d'en sortir.
c'est mauvais pour nous. Sinon, si c'était bon, pourquoi Dieu allait nous demander de ne pas le faire? Regardez ce qui va se passer ici. On a une femme qui sort tranquillement. Et on va expliquer, vous voyez, zoom. Une femme qui sort tranquillement et elle voit son enfant. Son enfant est en train de la regarder. Elle pose des questions à son enfant. Il me semble que son enfant doit regarder comment elle est habillée, regarder comment elle est habillée, regarder les talons. Et c'est exactement sexy. Et l'enfant regarde, non, tu n'es pas bien habillée, non, il faut changer quelque chose, maman. Et c'est l'enfant qui donne des ordres à sa mère. Oui, c'est l'enfant qui donne des ordres à sa mère. Voici maintenant un gars qui sort de nulle part là-bas, qui arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant devient maintenant le maître des parents. Les enfants deviennent le maître des parents. Regardez. Et ça, c'est exactement la vie sur les réseaux sociaux. Bien, les témoins de la séduction, les gens veulent être sexy, même plus être sexy que sexy. Mais frère, ça ne peut pas s'arrêter. Ça va là, vous faire encore des choses hors du commun. Il y a tellement de choses à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ne manquez pas nos prochaines vidéos. Nous en parlerons vraiment. Ça va vraiment être plus chaud que chaud pour nous vraiment soin de vous. Et que Dieu vraiment vous bénisse. Cette manière de s'habiller là, où les femmes montrent leur ventre de la sorte là, ça vient tout simplement des sirènes. Regardez bien. Où les femmes montrent leur ventre comme ça, tranquillement. Ça vient tout simplement des sirènes. Tu vas te dire que peut-être tu as chaud. Mais en réalité, tu n'as pas chaud. Il y a climatisé, mais tu es dans ta voiture, tu es dans ta maison. Tu n'as pas chaud. C'est pas la chaleur, mais c'est juste parce que tu veux être sexy. Il y a une malaise s'habiller là. Ça vient des démons. C'est souvent les démons qui veulent que tu t'habilles de la sorte. Si on t'a pas dit qu'on ne veut pas ton bien, non. C'est pas ça notre intention. Notre intention, c'est de sauver les âmes en masse. Ce sont des choses qui conduisent la plupart des gens en enfer. Et nous n'avons pas envie de vous voir aller dans les problèmes. Le vêtement de sexy, comme ça, tu sais que ça séduit les gens, même les pasteurs. Tu les séduis par ta manière de te vêtir. Il faut que cela s'arrête, il faut que cela change. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo. Et nous te demandons vraiment d'être vraiment prudente et abandonner toutes ces mauvaises voies. Qu'est-ce que tu en penses maintenant? Est-ce qu'on veut ton bien, est-ce qu'on veut pas ton bien? Réagis. Ah! Les gens vont sur les réseaux même pour chercher femme. Ils vont jusqu'à chercher femme. Les gens vont même jusqu'à à se mettre nu. Déjà lui, il a trouvé une femme. Pour la passionner sur les réseaux sociaux, lui il a décidé de se prendre en photo nu. Carrément nu. Et il poste les nudes à la fille. Oh, derrière l'ordinateur là. C'est pas une fille qui est là. C'est un garçon. Vous voyez comment le diable est en train de jouer avec l'esprit des gens. La personne qui est derrière l'ordinateur là, c'est un garçon. Et cette personne va t'arnaquer matin, midi, soir. Fais attention. Il y a même des femmes qui entretiennent des relations amoureuses sur Internet. Une femme qui entretient des relations amoureuses sur Internet, elle s'est fait arnaquer 20 millions d'euros. Plutôt 20 000 euros. Ah! Ça fait environ 13 millions de francs CFA. Et quand elle s'est fait arnaquer ici, elle a décidé de mener toutes ces investigations pour attraper son arnaqueur. Et finalement, elle est descendue dans le pays où son arnaqueur habite, où il est. Elle a attrapé. Il était face à la femme. La femme à qui il promettait tout. L'amour, je t'aime, je t'adore, comme ceci, comme cela. Et il l'a attrapé. Les réseaux sociaux peuvent faire du bien. Mais aussi, ça peut vous détruire votre vie. Vous devez tout simplement faire attention. Ce qu'on nous présente aujourd'hui n'est pas forcément bon pour nous. Suivons ce que Dieu nous a dit. La parole de Dieu nous dit que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Tu ne dois pas t'affectionner aux œuvres infructueuses des ténèbres, tu dois plutôt les condamner. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Toi, ça peut te toucher, je vais dire, mais ah, moi, toutes mes habits sont des habits sexy. C'est ce moment, toi, tu vas maintenant réfléchir. Est-ce que tu as le paradis vraiment? Si tu veux vraiment aller au paradis, fais tout pour te débarrasser de toutes les choses qui te condamnent.
Toi, tu vas avoir le sexe. Tu es là, c'est comme une femme, une fille. Toi, tu sors avec le mari de quelqu'un. Tu sais que c'est le mari de quelqu'un qui t'a dit. Et toi, tu ne laisses pas l'affaire. Pourquoi le paradis qui t'a cette situation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir seulement abandonner cette relation. Sinon, ce ne sera pas possible. C'est la même chose. Fais le bon choix aujourd'hui. Et que Dieu te donne ta force. Que tu donnes la force et qu'il te guide. Si tu n'as pas abonné, abonne-toi. Clique sur la cloche, tu cliques sur j'aime. Si tu as été impressionné aussi. Et pour pas attendre la prochaine vidéo, ça va être chaussure. Que Dieu bénisse, frère. Bénisse de vous.